Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo post-championnat de France bateau court. Donc je suis rentré chez moi après Casaubon pour faire une petite semaine de pause avant la reprise des stages. Donc je suis ici chez moi à Toulouse, dans la banlieue toulousaine plus exactement. Je voulais faire une petite vidéo pour marquer un peu ce titre de champion de France qu'on a fait avec Thomas Barouk. Pour parler avec vous un peu de la suite de la saison, pour faire un peu le point là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je voulais attendre de finir ces bateaux courts pour faire une vidéo parce que ça me semblait intéressant et j'avais envie de rester concentré sur la préparation de ces bateaux courts plutôt un peu que de, pas de m'éparpiller mais de rester concentré tout simplement hein, parce que la sélection n'était pas encore faite pour l'équipe de France et de reposter quelques vidéos sur la suite de cette saison. Concernant du coup la finale des bateaux courts, on a fait quand même une très bonne course avec Thomas. On savait que Franck et Guillaume allaient partir fort. On a voulu rester au contact sans pour autant dépenser trop d'énergie. On a attaqué dans la deuxième partie de parcours et puis ça a fini par payer. Notre stratégie a fini par payer quoi. Et on était très content de gagner évidemment. Faut noter aussi quand même que Guillaume revenait de blessure du coup c'est sûr que ça devait pas être, ils ont pas dû faire une préparation très, très évidente. Mais comme un peu. On n'allait pas non plus les laisser gagner parce qu'ils avaient une préparation pas évidente de toute façon. Et je voulais repasser un petit mot sur un peu mon parcours que j'ai eu sportif, hein, parce que moi j'ai quand même percé assez tard dans le haut niveau par rapport au fait que j'étais quand même. J'ai commencé à être au pôle quand même en junior, au pôle de Toulouse en junior première année, donc en horaire aménagé. Avec des très bonnes conditions de travail et j'ai pas réussi à perfer, j'ai pas fait des bonnes performances que très tard hein, finalement. Je suis rentré dans le collectif que à partir de vraiment 2014 quoi, on va dire, à moins de 23 ans. Et ça m'est arrivé d'être en junior, de pas passer aux zones alors que je m'entraînais bien et que ça marchait pas tout simplement. Donc c'était un petit mot pour encourager tous ceux qui ont pas bien. Qui ont fait des mauvaises performances à Casaubon et qui sont forcément déçus. Donc c'était un petit message d'encouragement que tout est possible encore, il faut s'accrocher, analyser qu'est-ce qui n'a pas été et aller de l'avant quoi. Et j'avais aussi un autre petit mot de remerciement pour tous mes amis qui m'ont soutenu, qui nous ont accompagnés à Casaubon pour nous encourager. Ceux qui étaient derrière leurs écrans chez eux pour suivre les courses. Et aussi ceux qui se sont levés un peu tard et qui se sont rendus compte du résultat à leur réveil. Merci à vous tous. Je remercie évidemment l'INSA qui m'a permis de m'entraîner dans de super bonnes conditions depuis ces 3 ans que je les suis. Et particulièrement dans cette année olympique où j'ai vraiment pas beaucoup de cours, voire plus de cours pour le deuxième semestre qui me permettent de vraiment m'entraîner à 100% et me consacrer 100% à ce projet olympique. Donc voilà, c'était une vidéo pas forcément très intéressante, je tenais à la faire pour faire un peu le point et j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. J'essaierai peut-être de faire des périscopes si certains connaissent, s'il y a des gens qui sont intéressés. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Et puis on se verra une prochaine fois. Allez, salut !